Guidance pour le signe du cancer pour le mois de novembre. Je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu différemment. En ce mois, on vous invite à tenir bon concernant une certaine personne avec laquelle on a dû vivre un éloignement, une séparation. C'est un éloignement qui est très difficile à vivre parce qu'on était attaché à cette personne. On aimait cette personne. Cette carte me dit qu'on se stimulait l'un et l'autre. On prenait soin l'un de l'autre. Il y avait un amour réciproque ici. C'est un éloignement qui est très difficile à vivre. On a beaucoup de peine. La carte de la patience ici me dit qu'on avait réussi à établir, à créer un lien d'intimité avec l'autre. C'était facile d'échanger, de communiquer avec elle. On avait réussi à créer un lien d'amitié. Il y avait un intérêt réciproque. On s'intéressait l'un à l'autre. C'était fort agréable ici de partager ensemble des moments de douceur, un climat très paisible ici que je rencontre, une communication qui circule bien. C'était agréable de vivre des moments de rapprochement avec l'autre. On a dû s'éloigner. Est-ce dû à cette carte de la tromperie? Avec la carte du sacrifice, on voit que on a fait le choix d'accepter la réalité de la relation. On a fait le choix de laisser aller, de laisser partir. C'est une carte de transition, de lâcher prise. On comprend les raisons pour lesquelles on a dû s'éloigner de cette personne. Avec la carte du mouvement positif vers l'avant, on fait le choix de s'orienter vers de nouveaux horizons. On parle d'un nouveau début, un nouveau commencement. On laisse partir, on lâche prise. Quand je regarde maintenant les deux cartes qui appartiennent au futur proche, j'ai bien l'impression qu'on n'arrive pas à se séparer l'un de l'autre. Il y avait un amour réciproque ici. On s'ennuie de cette personne. Le fait qu'on a dû interrompre la communication nous fait réaliser qu'on s'ennuie d'elle. L'absence, le silence nous fait réaliser qu'on s'ennuie de cette personne, qu'on l'aimait. Et là, avec cette carte du pouvoir, qui est une carte très entreprenante, qui porte les qualités de l'amour, et cette carte de la tromperie me laisse entendre qu'on va avoir une surprise. C'est une carte ici de changement imprévu, de rencontre imprévue. J'ai comme l'impression ici qu'on va trouver les moyens pour se revoir, pour se retrouver, pour être ensemble, parce qu'on s'aime. C'est une carte ici d'amour, ici. J'ai comme l'impression qu'on ne peut plus se mentir à soi-même. Les sentiments amoureux sont trop forts. On a réussi à créer un lien d'amitié avec l'autre. On a réussi à être en relation. Alors voilà, j'ai l'impression qu'on va entreprendre. On va trouver les moyens ici pour se revoir. On ne peut plus se mentir à soi-même. Alors voilà, on a vraiment le désir ici de se retrouver.
Alors voilà, c'est ce que j'ai vu ici en ce tirage. Je vous souhaite un beau mois de novembre.